tout d'abord, ce qui paraît pour nous, éditeurs, fondamental, c'est que ce métier soit justement embarqué dès le démarrage, dès la définition des clés de succès d'un projet, et que ces clés de succès, elles soient vraiment intelligibles pour tout le monde, c'est-à-dire pour l'IT, comme pour le métier, comme toutes les fonctions de support qui pourraient être amenées à collaborer sur le projet. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, effectivement, le fait de garder autant que possible ce projet ouvert sur le plan technologique et le plan process, c'est-à-dire potentiellement de déporter le travail dans une structure attenante à l'IT. On peut imaginer un data lab, ou en tout cas un data lab qui embarquerait à la fois le métier, l'IT et les fonctions de support, de manière à ce que tout le monde ait une vision transverse de la démarche, et que, je disais, sur le plan technologique, on ne contraigne pas les sachants, les experts, à un mode plutôt qu'à un autre. On parle beaucoup d'Hadoop, de Scala, de R, de Python. C'est vrai qu'aujourd'hui, les compétences en data science ont cette particularité de ne pas souhaiter être contraintes par un modèle plutôt qu'un autre, et sans même parler du modèle de machine learning, juste de la technologie. Donc nous, vraiment, ce qu'on observe, c'est ce côté gardons la boîte la plus ouverte possible, la plus agile possible aussi, et essayons, tant que faire se peut, d'avoir un process lui aussi très agile pour que, au sortir du pilote, tous les stakeholders de la démarche puissent l'inscrire dans une démarche peut-être plus industrialisée et sortir de ce data lab ou de cette initiative pour le porter et rendre cette data science actionnable pour des centaines d'utilisateurs en fonction du contexte et du cas d'usage.